Bonjour, bonsoir tous les amis, tous les collaborateurs faisant la caille, nous comptons rentrer la caillou. Et cette fois-ci, nous pourrons parler de dossier et courant 24 sur 24 que Jovenel Moïse pas jamais suspendre. N'importe côté Jovenel Moïse, il y a une chance pour le capable prendre la parole. Il n'y a pas jamais suspendre parler de dossier courant 24 sur 24 ça. Et bien cette fois-ci, nous connaissons des pays qui pourraient aider Jovenel, qui pourraient aider PIA pour capable gagner courant dans PIA. Nous t'es déjà connaissons pays Taïwan, le même qui t'est déjà offert et l'agence a déjà débloqué qui c'est 150 millions de dollars américains que pays Taïwan lui-même il t'est déjà dit y a bail PIA. Et avec l'agent taïwanais pour aller gagner 60 mégawatts qui pour aller venir de une centrale thermique. Et l'autre 130 MW là, il va venir de une centrale photovoltaïque. C'est ça, et information eux-mêmes, et ils ont fait connaître. Et puis nous gagnons un pays la Turquie, eux-mêmes qui offrent une grosse aide. Pays la Turquie, c'est lui-même qui est classé dans le monde là comme 5e pays dans la question bagage électrique. Et bien, ils promettent qu'il y a une aide, qu'il n'y a pas fait pays à joindre deux bateaux flottants qui pourrait bailler et courant électrique et dans pays a. Et d'après information yo pour gagner une centrale gaz naturel et qui pourrait gagner yo pour le faire et pour gagner énergie à partir de panneaux solaires, énergie solaire. C'est information ça qui est disponible qui pourrait permettre à Jovenel Moïse Jean que nous que lui-même il pas jamais suspendre, il pas jamais bouquer parler de courant 24 sur 24 là. Eh bien, c'est aide ça, Jovenel Moïse, lui-même, lui gagne. D'ailleurs, lui déjà annoncé qu'à partir de semaine ça là, pour le gagner, il commencer à travailler sous transport. Et ça, c'est une aide que le pays et la Turquie lui-même lui bail. Côté que pour le gagner, il pour aider renouveler et pas de production ensemble avec et transportation et courant électrique dans le pays. Nous connaissons ça, c'est le plus gros problème pays, c'est question de transport, parce que ou capable à produire énergie, mais si vous n'avez pas de route, si vous n'avez pas de carretel, si vous n'avez pas de façon pour faire courant sortir dans la centrale là, pour arriver là, sans que vous n'avez pas de perte de courant, et bien c'est un corvée. Eh bien, c'est ça, information fait qu'on est. Nous pourrons le quitter ensemble avec le président Jovenel Moïse qui parle plus d'informations dans le dossier courant. Bon, descente aux enfers qui fait. Mais pour un pays, c'est un coup son soulier. Nous pouvons nous songer. Cordonnier longtemps, c'est un pain inacrété. Ça veut dire c'est mêle soulier. Talon fin crasé. Pas de soulier encore pour mettre. Ce pays, ça a nous hérité là. Et ce pays, ça, moi, je viens diriger à qu'on l'État que un groupe de monde construit pour servir seulement. On l'État pesé sous ses, à qu'on système pesé sous ses, l'État, ça, qu'on groupe de monde kidnappé, un groupe de monde capturé, je dis, le pays n'a pas qu'à gagner courant, il n'a pas qu'à gagner de l'eau, il n'a pas qu'à gagner route à cause de capture ça que l'État a subi. Mais moi, je dis, changement, songez, Moussa, nous, chaque qui est là, les nappes soutiens là, avec notre tête, nous, ce n'est pas jamais facile. Et songez, je dis, dans un discours, l'aile pour le faire clair, c'est l'aile pour le faire pinoir. C'est ça qui a privé aujourd'hui dans les affaires d'électricité dans le pays. Hier, pour l'histoire, moi, je crois que une photo, conseiller mon énergie fait pour quitter le bout l'histoire. Port-au-Prince, c'était seulement 23 MW. Énergie électrique qui t'a le réseau. Ça veut dire, courant électrique que m'a défendu pour me mettre dans le pays, ya, depuis le monté sous pouvoir pour arriver jusqu'on y a un pile monde campé en face, changement ça. Si m'a parlé aujourd'hui, dans le microphone, ça, il résonne tout le monde entendait, c'est grâce à courant électrique. Si je parle devant la caméra, ça, qui retransmet calé loin, c'est grâce à courant électrique. Pas de pays sur la terre qui peut vivre sans les prérequis du développement. Route, de l'eau, courant. C'est pour ça que l'électricité a son bataille, que je viens prendre une bataille personnelle. Parce que je dis, moi, je dis, pays, moi pas quitter pouvoir pour me quitter
dans l'Italie là. Parce que niveau compréhension que bon Dieu bon moi, dans affaires énergie, fait que monsieur un rare président qui passe sous pouvoir, qui gagne niveau compréhension ça dans affaires courant, dans affaires électricité. Et c'est pour ça, niveau compréhension ça mettez le service peuple là, pour que dans respect un pour l'autre, nous arrivions à mettre courant dans le pays. Là. C'est pour ça que je prends des décisions, des grosses décisions pour nous changer le système de commercialisation dans le pays. Tout le monde qui est là, nous avons un téléphone. Mais parfois, nous avons envie de parler là-dedans, nous ne sommes pas capables. Pour qui ça? Les baguins cap. C'est même gentil. C'est pour nous arriver dans le cafou côté tout le monde qui a accès à l'électricité. Mais vous n'avez pas de cob. Il pas entrer la caillou. C'est normal. C'est comme ça que ça a commencé à faire dans tout le pays sur la terre. Mais pour ça faire, nous avons besoin de changement. Et changement, côté pour commencer à faire, il faut le faire dans l'institution qui est responsable des affaires électricité dans le pays. Institution ça, les relais électricité d'État d'Haïti, EDH. Depuis 3 semaines, en pile parole parlé. En pile menti fait tout sur ça qui décide pour faire dans le niveau EDH. Côté nous prend décision pour mon match final, parce que pas oublier, courant c'est un coup son championnat que nous y est. Nous passons tout, d'ailleurs nous, tout ça nous passe en termes de premier tour, deuxième tour, je vous dis à nous dans une finale. On final là, c'est normal à ce que moi-même comme entraîneur équipe là, peuple là c'est lui qui met équipe là. Peuple là, bon entraîneur équipe là, c'est normal à ce que je change un joueur si moi final là, joueur qui l'a été fatigué. C'est pour ça que je prends une grosse décision pour changer leadership dans la tête électricité d'Haïti. Eh bien, différemment dans l'EDH, peut-être changement. Encore une fois, je profite de l'occasion pour me parler avec tout frère qui travaille dans l'électricité d'Haïti pour me dire prends précaution parce que faux prophète, l'ennemi, ils en pile et ils prennent toute couleur. Ils viennent nous montrer que c'est eux qui viennent délivrer. Et pourtant, si vous avez délivré depuis longtemps comme ça, pour qui ça paye, il y a toujours 4-5 heures de temps courant par jour. Je vous dis, il va bien même. Nous prenons conscience de ça. Mais si vous avez délivré au EDH, centrale électrique qui était pour vous, vous n'avez pas appris. Si vous avez délivré ou même ouvrier qui travaille, technicien qui travaille dans EDH, vous avez aidé à construire le réseau électrique national là. Côté Jodia, n'importe où presque côté nous y est là, gon besoin d'environ 800 MW réseau qui est disponible là, car recevoir seulement 252 MW. Ça veut dire, pas même une route côté beaucoup en passé. C'est pour nous construire un réseau tout neuf. Et c'est ça qu'on a fait avec prêt que nous faisons dans le pays Taïwan. Ou même quand on travaille dans l'EDH, centrale électrique Kafou nous prend décision pour nous mettre tout neuf. D'ailleurs, signature contrat avec gros compagnie générale électrique qui va permettre de nous mettre 2 turbines qui pourra le produire. Électricité d'État d'Haïti. Décision que nous prenons pour nous mettre 130 MW solaire dans le pays. Pour qui est-ce que vous parlez? Vous parlez pour l'électricité d'État d'Haïti. Décision nous prenons pour nous refaire centrale Vareux. Pour nous mettre des groupes neufs là-dedans. Pour qui est-ce que vous parlez? Vous parlez pour l'électricité d'État d'Haïti. Ça veut dire, EDH que nous devons mettre sous pierre, nous ne pouvons pas faire sans vous. Ou même ouvrier, technicien, syndicat qui n'a EDH, cadre qui n'a EDH, ça avec nous, nous avons fait ça. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait une réforme qui fait.
faut nous d'accord que dans le niveau électricité d'Haïti, ça, renseignement contre renseignement, enquête contre enquête, comparé avec le Premier ministre, tout l'autre monde qui, dans le niveau de l'État, qui travaille dans les affaires, renseignement, Libanon qui a un petit problème. Par exemple, gon problème dans affaire, gen des moun k'ap consommer courant EDH et puis compte yo pa jam bay anken chiffre. Et pourtant courant la caillou. Gen des moun tout k'ap consommer courant EDH de gros moun que courant rentré li pa gen compte. C'est sous ça yo que nous mandé pour gen travail qui fait. C'est pas président qui travaille sur. C'est pas premier ministre qui travaille sur. C'est pas ministre qui travaille sur. Fok EDH bon bon leadership qui permet que bagage ça géré. Moi connais un autre problème syndicat m'a pas la cou réveillé. Quel autre problème? L'autre petit problème technique. Nous songeons en 2014 bon loi qui prend sur anticorruption qui vient la donne, il y a des sanctions qui prend côté mon affaire concussion. Trafic d'influence, côté de collusion, conflit d'intérêt. Ça veut dire, lors bon job l'État, même gens avec moi, même je dis à qui président, je ne suis pas capable de gagner entreprise qui fait job avec l'État. Je ne suis pas capable. Même gens premier ministre, ministre, directeur des généraux, je n'ai pas le droit ça. S'il fait, ils ont violé la loi. Eh bien, je dis, pas de bien caché l'ombre, je nous te dis. Syndicat, ouvert géo, il y a trois entreprises dans l'EDH là qui pour plusieurs fonctionnaires dans l'EDH là. Ça va continuer comme ça. C'est pas bon. C'est ça, je me demande pour corriger. Je demande pour nous assainir l'électricité d'Haïti parce que c'est pour nous lié. Ou pas qu'il y ait petit tout pour faire tentative pour ta tuer. Tant que ça passe dans la destruction faite en dans le siège social EDH, crasé, brisé, qu'a fait. Pas qu'un côté, bagage bagaille, c'est au caméné nous. Je dis, c'est dialogue. Le dialogue doit être permanent. C'est pour nous parler, on a l'autre. Ce n'est pas dans le goût même, dans le chirépit, dans le crasé brisé, nous avons une bonne solution pour le pays. Je dis en clair, moi dis il faut nous entendre nous, dans le niveau électricité d'Haïti pour que l'entreprise là, elle recommence le travail, elle recommence le service et tout contrat ça. Côté, moi je te déplace personnellement à parler avec juge. Membre coup de compte pour nous, comment d'allemand dans bénéfice de l'urgence, tout contrat ça aussi pour EDH. Contrat pour acheter 11 000 et quelques poteaux qui va aller dans le pays. Contrat pour acheter 130 MW solaire. Contrat pour acheter 60 MW turbine. Contrat court terme qui pour faire que nous joignons des centrales flottantes qui viennent produire l'électricité pendant l'installation à faire. C'est pour nous. Contrat, support qui pour qu'un des panneaux solaires pour l'acheter. C'est pour nous. Ouvrier EDH, employé EDH, ressaisis-nous. Moun qui mette nous sur route, ça, y a mené nous dans un calfou dangereux. Non calfou côté, gens ont commencé à faire, gens ont commencé à servir avec un pile moun. Parfois pour craser. Briser pour craser le pays, faut nous ressaisir nous pour ça, nous camper sur nous. Je vais demander au Premier ministre, au ministre des Travaux publics, pour ouvrir les bras, pour dialogue permanent à tout problème qui vient dans l'électricité d'Haïti, pour nous capables de jouer une solution ensemble.
solution pas qu'à joindre avec syndicat seulement. Solution pas qu'à joindre tout avec gouvernement seulement. C'est ensemble pour nous mettre. Et c'est cette mission ça que ma ministre des Travaux publics, premier ministre, pour rejoindre une solution dans un bon dialogue pour nous capables de mettre l'électricité d'Haïti au service peuple. Parce que la population en Mandel, nous n'avons pas le choix. C'est pour nous mettre le service peuple. Mes chers compatriotes, chers cadres de la diplomatie haïtienne, vous allez en mission pour défendre le pays, son peuple, ses institutions, ses intérêts nationaux. Les actes de politique étrangère doivent placer Haïti en priorité. Défendez l'intérêt du pays dans une logique gagnant-gagnant, et ceci dans tous les domaines de la coopération internationale. Je compte sur votre professionnalisme, votre dynamisme, votre rationalité afin de garantir l'efficacité de l'action extérieure dans une dynamique de progrès socio-économique et politique du pays. C'est le moment de proposer cette orientation intelligente, habile, pragmatique et éclairée à la diplomatie haïtienne qui doit renouer en partie avec son histoire. Défendre l'image d'Haïti auprès de la communauté internationale, lui apprendre à comprendre les orientations et les spécificités de nos institutions et de nos pratiques politiques, économiques, culturelles et sociales pour de meilleures coopérations bilatérales ou multilatérales. Chers diplomates, je vous souhaite tous mes voeux de réussite pour mener à bien votre mission dans la machine diplomatique de votre pays durant votre séjour à l'étranger. Je compte sur vous. J'attends de vos actions un virage socio-économique et politique au bénéfice du pays tout entier. Soyez vigilants. Aimez le pays. Aimez vos frères et sœurs. Allez travailler pour Haïti. Je vous remercie.